Bienvenue sur ma chaîne. Univers Nature et sa richesse vous présentent aujourd'hui les bienfaits des sardines, apprenez à les connaître. Ils sont considérés comme des poissons gras. Les sardines sont une source de nombreuses vitamines et minéraux, notamment les vitamines du complexe B, la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine K, le fer, le zinc, le potassium, le sodium, les acides gras et bien d'autres. Les avantages des sardines comprennent. Prévention des maladies cardiovasculaires, car les sardines fournissent au corps des oméga-3, qui aident à se débarrasser du cholestérol nocif et des plaques qui bloquent les artères et provoquent une pression artérielle élevée. Réduire la formation de caillots sanguins, en réduisant le cholestérol dans le corps. Prévention de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est plus probable chez les personnes de plus de 50 ans, car cette affection peut entraîner une perte de vision. Prévention de certains types de cancers, car il fournit au corps des vitamines essentielles, mais d'autres études sont nécessaires. Aide à renforcer les os et à prévenir certaines maladies telles que l'ostéoporose, car les sardines contiennent un pourcentage élevé de calcium et de vitamine D. Aide à renforcer le système immunitaire, en augmentant le nombre de cellules immunitaires. Contribuer à améliorer l'état de résistance à l'insuline qui entraîne une utilisation moins efficace de l'insuline produite dans le corps, ce qui améliore le contrôle du diabète et améliore les processus métaboliques. Travailler pour fournir au corps des antioxydants pour se débarrasser des radicaux libres et des toxines, car les sardines sont riches en sélénium et autres antioxydants. Il est recommandé d'être modéré dans la consommation de sardines, car elle est associée à certains effets secondaires en cas de consommation excessive, dont les suivants. Une réaction allergique qui provoque une accélération du rythme cardiaque, une bronchite, une hypertension artérielle et d'autres symptômes. Augmentation de l'acide urique dans le corps à la suite de sardines contenant un pourcentage élevé de purine. Empoisonnement à la suite de sardines contenant un taux élevé de mercure. Les bienfaits des sardines sont étonnants et merveilleux. L'odeur de la sardine ne vous incitera peut-être pas à en manger, mais après avoir pris connaissance de ses nombreux bienfaits bénéfiques pour votre santé physique et psychologique, vous n'hésiterez pas à l'ajouter quotidiennement à votre table. Il est préférable de manger des sardines fraîches car elles ne contiennent aucun agent de conservation. Les sardines aident à perdre du poids. Nous vous conseillons d'ajouter des sardines à votre alimentation, car cela peut vraiment vous aider à atteindre un poids idéal. Les sardines contiennent un pourcentage élevé de protéines à faible teneur en calories, qui sont utiles pour perdre du poids sans perdre les nutriments nécessaires à la santé de votre corps. Il a été constaté que manger 85 g de protéines peut fournir 23 g de protéines saines au corps. Il a des propriétés anticancéreuses. Les sardines contiennent du calcium et de la vitamine D en quantité relativement bonne, et il a été constaté que le calcium et la vitamine D peuvent avoir un effet efficace dans la prévention des cancers. Tels que, cancer du côlon, cancer du rectum. Renforce le système immunitaire. Manger des sardines peut aider à renforcer le système immunitaire, car il a été démontré que l'huile de sardine augmente le nombre de cellules immunitaires dans le corps humain. Les sardines sont également riches en sélénium, qui prévient un système immunitaire affaibli, les maladies cardiaques et les troubles de l'humeur et de la thyroïde. Il donne de la force aux os. L'un des avantages des sardines est qu'elles augmentent la solidité des os, car elles contiennent de la vitamine D, du calcium et du phosphore. Comme ces trois minéraux aident à renforcer les os, augmentent les chances de guérison après des blessures, réduisent le risque d'ostéoporose et réduisent l'érosion dentaire. Favorise la santé cardiaque. Les sardines contiennent des acides gras oméga-3, qui aident à réduire le taux de cholestérol nocif dans le sang, ce qui rend les sardines importantes pour le système cardiovasculaire et à prévenir les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques. Prévient l'anémie. Il a été constaté que l'un des avantages de la sardine est qu'elle contribue à la prévention de l'anémie, car elle contient de nombreux nutriments importants, notamment le fer, qui est important dans la formation des globules rouges. Maintient les niveaux de sucre dans le sang. Les graisses et les protéines saines présentes à l'intérieur des sardines aident à réguler le taux de sucre dans le sang. Le manger avec des aliments riches en glucides, tels que le pain, ralentit la sécrétion de sucre dans le sang et réduit l'incidence des maladies liées à l'insuline. Favorise la santé mentale. Les sardines sont riches en acides gras oméga-3, qui réduisent le risque de développer des troubles de l'humeur, tels que la dépression et l'anxiété. Le cerveau est composé à 60% de graisses et, par conséquent, les acides gras oméga-3 peuvent jouer un rôle vital dans le maintien de sa santé. Il a été constaté que le taux normal de ces graisses peut aider à maintenir la santé mentale d'un individu, mais sa diminution peut entraîner une augmentation de la dépression et de l'anxiété. Les avantages des sardines résultent des nutriments importants qui s'y trouvent, car ils contiennent les éléments suivants. Vitamines, telles que la vitamine D, la vitamine A, la vitamine K et la vitamine E. Minéraux, tels que magnésium, calcium, fer, zinc, sélénium, sodium et potassium. Protéines. Gras saturés. Comment manger des sardines?
Après avoir appris les bienfaits des sardines, découvrons les façons de les manger, notamment les suivantes. Sardines en conserve, elles se consomment directement et n'ont pas besoin d'être cuites, mais on peut y ajouter du jus de citron à volonté. Sardines fraîches, elles sont cuites par friture ou grillage, et il est préférable de griller pour que le corps ne soit pas affecté négativement par les énormes quantités d'huile attachées au poisson. Les bienfaits des sardines pour les hommes sont les mêmes que pour les femmes, il n'y a donc pas de bénéfice propre au sexe par rapport à l'autre, et ces bienfaits sont les suivants. 1. Promouvoir la santé cardiaque. Les sardines contiennent des acides oméga-3, qui sont très importants pour protéger les vaisseaux sanguins et le cœur contre les maladies. L'affaire ne s'arrête pas là, mais les oméga-3 agissent pour réduire les niveaux de triglycérides dans le sang et empêchent les artères de se bloquer, et cela limite l'exposition aux caillots. Pour mieux obtenir les bienfaits susmentionnés, il est recommandé de manger des sardines ou d'autres poissons gras, comme le saumon et le maquereau, deux fois par semaine, à raison de 108 grammes. 2. Protéger les cellules cérébrales des dommages. Les cellules cérébrales sont endommagées avec l'âge en raison de plusieurs facteurs, notamment le manque d'intérêt à manger des aliments sains pendant l'enfance et l'adolescence, de sorte que la jeune génération devrait préserver ses cellules cérébrales en mangeant des aliments sains, notamment du poisson, en particulier des sardines, car il contient de bons niveaux d'oméga-3. 3. Renforcer les os et les protéger de la fragilité. Les sardines contiennent du calcium et de la vitamine D, que l'on ne trouve que dans des aliments spécifiques, et ces deux éléments sont importants pour renforcer les os et les protéger de la fragilité, ainsi que pour protéger les dents de la faiblesse et des fractures. 4. Réduire le poids. L'un des avantages des sardines pour les hommes et les femmes est qu'elles contribuent à la perte de poids et débarrassent le corps des kilogrammes en excès, car elles contiennent des oméga-3, et il a été constaté que les oméga-3 ont un rôle efficace dans la réduction de poids. De ce point de vue, les sardines sont souvent incluses dans les régimes spéciaux pour perdre du poids, car elles réduisent le poids et fournissent au corps de nombreux nutriments, et c'est ce qui est requis dans les régimes. 5. Prévention des problèmes neurologiques aux extrémités. Les personnes âgées souffrent d'une fonction sensorielle faible dans les extrémités de 40%, à la suite de problèmes nerveux résultant d'une carence en vitamine B12, il est donc recommandé aux personnes âgées de manger du poisson pour compenser la carence dans le corps et ainsi mieux profiter fonctions sensorielles périphériques. Il convient de noter qu'une portion de sardine fournit plus de 3 fois la quantité de vitamine B12 dont le corps a besoin quotidiennement. 6. Augmentation de la fertilité. Il a été constaté que la consommation de poissons en général, y compris les sardines, améliore la fertilité et la capacité à bien concevoir. Les avantages de la sardine pour les hommes et les femmes proviennent de sa haute valeur nutritionnelle, car elle contient les nutriments suivants. Vitamines, notamment, vitamine D, vitamine B12 et vitamine B3. Minéraux sains, notamment, sélénium, phosphore, calcium et iode. Protéines. Les oméga-3, et comme indiqué dans ce qui a été mentionné précédemment, ont le rôle le plus important dans les avantages des sardines, et il a été constaté que les sardines fournissent 2 g d'oméga-3, et c'est ce qui en fait le meilleur type de poisson sain. Dégâts de sardines. Malgré les bienfaits de la sardine pour les hommes comme pour les femmes, elle comporte certains méfaits, que l'on retrouve souvent dans les sardines en conserve car du sodium y est ajouté. Voici les principaux de ces dommages. 1. Hypertension artérielle. Dans le cas où les sardines en conserve contiennent des niveaux élevés de sodium, il suffit d'augmenter la tension artérielle, en particulier chez les personnes atteintes de ce défaut pathologique d'origine. 2. Gravité accrue de la goutte. Dans le cas où vous souffrez de goutte, le mieux est de réduire les apports recommandés en sardines, car la cause principale de la goutte est les purines, une substance chimique qui se décompose en acide urique, qui cristallise dans les articulations, provoquant des douleurs chez celles-ci, et les sardines contiennent un bon pourcentage de purines. 3. Calculs rénaux. Les purines ne se limitent pas à une augmentation de la sévérité de la goutte, mais elles contribuent plutôt à la formation de calculs rénaux, et le sodium présent dans les sardines augmente le calcium dans l'urine, qui est un catalyseur des calculs. Façon de réduire les dégâts des sardines. Les dommages aux sardines peuvent être réduits de la manière suivante. Lisez l'emballage et connaissez la quantité de sodium et le type d'huile qu'il contient, et choisissez le meilleur. Mangez des sardines fraîches si disponibles et évitez les conserves. Merci de m'avoir suivi, un j'aime ne fera pas du mal et abonnez-vous pour recevoir les nouveautés.